Voilà, donc je vais vous montrer comment on répare un trou de cosson. Donc ça peut arriver de temps en temps, ce sont des petits vers et qui passent dans le bois et que de temps en temps, ben, malheureusement, ça reste dans le bois et ça fuit. Donc comment les réparer? Voilà, il vous faut cheville, une bistre, une pointe carrée, la lame de scie à métaux, le marteau et le papier de verre. Tout d'abord, bien nettoyer l'endroit. Alors en admettant que le problème est ici, là, vous allez bien nettoyer proprement. Une fois que c'est bien nettoyé proprement, vous allez enlever votre bonde. Ça va se remettre normalement à fuir à l'endroit de l'impact. Vous prenez votre pointe carrée et votre marteau. Vous tapez en plein dedans. Il ne faut pas hésiter à aller relativement profond. Une fois que c'est à l'intérieur, vous allez récupérer votre cheville. Le bout est tellement fin que ça risque de casser en rentrant. Donc je vous conseille de le couper. Une fois qu'il est bien coupé, et bien vous allez présenter, vous allez retirer, évidemment, parce que le trou va être beaucoup plus gros, ça va fuir. Hop, aussitôt, vous mettez dedans. Vous tapez jusqu'à l'écrasement de la cheville. Prenez votre lame, voilà, dans le sens de la file. Voilà. Ensuite, la gistre. Et pour terminer, le papier de verre. Et voilà, votre fuite est réparée.